c'est Naiden, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure Assassin's Creed Syndicate. J'espère que vous allez bien et que vous prenez toujours autant plaisir, donc n'hésitez pas en cliquant trop sur YouTube et Stack666 sur Twitch. On va continuer donc cette aventure et on va voir la séquence 3, on va la continuer, donc on va continuer l'aventure comme je vous l'ai dit. On va aller se balader. Et on va aller voir ça tout de suite, les amis. Bon, on a un méchant là. Au revoir. Ça fait un peu de munitions. Ça fait un peu de sous-sous. Non. On va éviter de sortir son arme comme ça en public, hein. On va pas faire les cons. On va aller courir et on va essayer de gagner du temps par rapport à. Bon, je pensais prendre peut-être une calèche, mais. On peut la détourner, c'est une blague. Bon allez. Franchement. Allez, on est des fous, on la détourne. Allez hop, GTA style. Yosh, c'est parti. Alors je fais quoi quand je vole 5 calèches? J'ai l'armée sur la gueule ou quoi? Bon non, et le pire c'est qu'il y a des calèches partout en fait. Mais j'ai dû prendre évidemment une qui ne m'était pas attribuée. Oh les fameux ponts anglais. Je les aime bien ces ponts. Par contre au niveau de la map je comprends pas trop. Parce que des fois il met qu'il y a des bifurcations ou quoi que ce soit. Et en réalité il n'y a rien du tout. Mais par contre je défonce tout. GTA style comme on dit. Hop. Descendre, continuer. Allez, niveau 3 par contre. Ça rigole pas. Putain, je me mange. Tiens, je me mange le. La police. Oh, ils font trop mal. Bon, je vais me barrer parce que. Bon. Ça pique. Ah ouais, j'avais des remèdes, mais j'en ai plus. Ça, c'était avant. Se barrer hein, parce que franchement ça pique. On va se camoufler. Normalement je peux me camoufler ici. Il devrait pas me trouver assez facilement. J'espère pas. Il me cherche. Pourtant je suis juste à côté d'eux. Ils vont me trouver, c'est pas possible. Du bol, hein. Bon. Voilà, on va user de la couverture des gens. Et je vais aller par là. Voilà. Voilà. Heureusement, je vais pouvoir rentrer dans la maison maintenant. Donc, la liberté de la presse. Donc, on va attaquer la séquence 3 toujours. Liberté de la presse. Donc vous voyez que le niveau suggéré de 2. Et on va demander de réparer, enfin on demande de réparer un objet qui est certainement le grappin. Allons voir. Ah, bon sang. Alec, tu sembles préoccupé. Je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur sirop à effet calmant. Le ciel m'en est témoin, Henry. Si le monopole de Starik demeure... Alec, je veux te présenter. Voici mes amis. Eddie Fry et son frère Jacob. Oh, Alexandre Bell. Linguiste, inventeur et l'inventeur du téléphone, il me semble. Voilà, c'est bien ça. On dirait que le boîtier est fendu. Oh, ça se démonte. Ma foi, j'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben. Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse. Pour contrer la Starik Telegraph Company.
Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben, Starik en sera... Ok, les rebelles s'activent. Nous sommes un peu diminués. Et... Temporairement diminués, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est nous qui vont aller pour lui. À votre brassard. Je vais m'en servir immédiatement. Attends, Jacob. Monsieur Bell, j'aimerais vous aider à placer ces fusibles. Je n'aurais pas l'orgueil de refuser, Miss Fry. Eh bien, nous prendrons ma voiture, si vous aviez la bonté de la conduire. Passe-moi ça. Laissez-moi vous aider. Ouh. Je veux pécho. Allez, c'est parti. Donc c'est note. Conduire la voiture de Belle, elle est là. Vous devriez déjà être arrivé. Pour rejoindre Big Ben. Donc Big Ben qui est un fameux monument anglais. On vient, on traverse la Tamise. Un télégraphe phonétique. Ça le pont de Londres. Un peu long comme nom. Si vous appeliez ça téléphone. Téléphone. Quel nom étrange. Quoi qu'il en soit, comme je le disais. Il y a du monde, hein. Waouh. Je comprends pourquoi le pont est si large maintenant. Mais imaginez comment ils ont dû le construire avant. Hein. Déjà maintenant c'est chaud. Ah, on vient de rentrer à Westminster. 30 000. Quels sont les... C'est une blague. Lance grappin pour escalader, appuyez sur 1. L1, L1. Ouais. D'accord, c'est abusé. Bon, on va prendre au niveau des vitraux. À mon avis, on aura plus de chances d'escalader. Ça. Voilà. C'est parti. Je vais essayer de monter tout en haut parce qu'à mon avis, j'ai un point d'observation en haut. Donc, autant... Autant en profiter, voilà. J'en perdais mon français. Donc je dois installer les fusibles et en même temps ne pas descendre en dessous des 30 mètres d'altitude. Franchement, je vous garantis rien du tout. Bon, on a déjà un boîtier là, un fusible. Elle est belle quand elle est concentrée. Et le 1. Ce qui m'ennuie, moi, c'est que je voudrais monter là-haut. Voilà. J'espère que Big Ben n'est réellement pas comme ça, en vrai. Parce que ce serait littéralement magnifique. Ouf, oh, oh, oh. Là, faut pas rater son saut, hein, les gars. Je vous le dis. Sinon, on va se retrouver au tapis. De synchronisation. Voilà. Allons-y. Ah, on a une chasse aux primes là-bas. D'accord, ça nous montre tous les... On voit tout la Tamise. Bon, par contre, excusez-moi, il y a quand même un peu beaucoup de bateaux pour le transport, là, fluvial. C'est un petit peu abusé, je trouve. C'est un petit peu surestimé le bazar, comme on dit. Alors... Ne pas descendre en dessous des 30 mètres. Il y en a qui ont craqué, je crois. Voilà, on a déjà une destination rapide. C'est déjà ça. Alors. Où est-ce qu'on voit son altitude? Parce que on peut pas descendre en dessous de 30 mètres, mais comment savoir si on l'est ou pas? Pas fort beaucoup. Oh putain. D'accord, bon. On a des gardes ici, des gardes royaux. On va essayer de passer là sur le côté.
éviter quand même le conflit directement. Yep. On va gagner énormément de temps. Voilà, donc deuxième boîtier installé pour Graham Bell, Alexander Graham Bell. Ah, lui, par contre, je ne savais pas du tout qu'il était dans l'aventure. Je savais même pas qu'il était anglais. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, comme ça. On va monter sur la corde. À mon avis, je suis déjà descendu en dessous des 30 mètres. Parce que je vois que... ne pas descendre en dessous des 30 mètres. Donc à mon avis, j'ai failli à mon objectif. Ce n'est point grave. Ah, ça fait quand même fort Batman. Vous m'excuserez, mais... Regardez, hop là. Ouais. Là, c'est ce coup-là, franchement. Désolé de vous le dire, mais ça me plaît moins. Le coup du grappin, là, franchement, non. Ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu être un peu plus inventifs. Bon, bah, super, quoi. Alors, quel... C'est la cathédrale de Westminster, ça ou quoi? On y est? Lolilol. Bon. Bon, on va y arriver. Hein. Il y a un moment où... On va le maîtriser, ce grappin, quand même. Il faut bien un moment le maîtriser. Hein. Bon. Allez hop sur les vitraux, c'est parti. Normal. Franchement, même moi je ferais pas ça à 2 cm du sol, mais. Elle, pas de problème quoi. 500 mètres de hauteur, allez, on y va. Pas de problème. Installons ces fusibles. Donc, on est en route pour le dernier fusible. Et voilà. Allez hop, installe-le. Quelque chose me dit que ça va pas se passer aussi bien que ça. On verra en tout cas. Bon. Ça fera l'affaire. Ouais, installe le fusible 3-3. Parlez à Bell. Ok. Non, c'était pas en haut qu'il fallait faire. Bon. On a pas un saut de la foi là pour une fois. Si. Lol. Bon, allez, allons-nous. Regardez, regardez ça. Franchement. C'est pas abusé. Là, et on va se casser. Fini. Franchement, les sauts de la foi, c'est scandaleux quand même. Je vous le dis direct. Ça m'interpelle toujours autant sur la probabilité de la chose. Quand vous voyez, bon, je veux bien, c'est un jeu, mais bon. Je m'attends déjà au film. J'espère que vous aussi, vous attendez le film avec impatience. Ça a l'air super bien comme film. Je suis pas contre l'idée, mais faudra voir comment ils exploitent leur saut de la foi, parce que ça risque de faire bobo, comme on dit. Allez, bon, il veut pas, on va passer ici. Il y a quand même, vous voyez qu'il y a quand même des gardes qui sont postés en hauteur, hein, à ces angles. Ils changeront pas. On va descendre. Hop là.
juste de mettre une petite bombe fumigène. Allez, voilà. Bon. Nouvelle ligne téléphonique faite. Une grenade. Dieu, ça marche. Bon, je sais pas ce que c'est, fumigène, mais ça m'a l'air bizarre. Bon, s'emparer de 200 éléments métalliques, assassiner un garde depuis une tyrolienne. Ben, évidemment. J'aurais dû prendre un. Allez, hop, tiens, au revoir. Voilà, on va faire ça tranquillement à la GTA style. Allez, hop. Bon, par contre, je suis un peu bourré. Faut pas être doué pour tout, les amis. Ça se voit directement. Bon, 130 mètres. C'est pas du tout ce qu'il me veut. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah bon, en fait, c'était le seul qui pouvait m'aider encore, et je l'ai buté en fait, le con. Hop. On va baisser sa garde, et c'est parti. Bim. Bon, il y en a encore un. Non, il n'y en a plus. On va quand même fouiller pour essayer d'avoir une paire de munitions, parce que... ça devient un petit peu délicat. Bon. Faut que je fouille. Alors. Métal 100. Ok. Donc la prochaine, j'aurai mes 200 éléments métalliques. Et donc, il faudrait que j'arrive à assassiner un garde via une tyrolienne. Donc il faut... que je prenne de la hauteur. Ce serait sympathique, ouais. Alors, où est-ce que t'as un garde? Alors, la vue de... Bon. Dis où ton garde. Est-ce que ce serait ça un garde? Oui. Ok. Bon, allez, au revoir. Voilà. On va faire ça. Ouais, on va pas faire le combat. Oh là 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 là, j'ai fait le con. Oh oh. Bon, eh ben je suis mort hein, les amis. Évidemment. J'aurais voulu prendre le ma bombe et m'en aller pour dire de laisser un peu plus de me laisser un peu plus de chance, mais évidemment ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Et au mieux de changer d'arme, je n'ai rien fait du tout, je suis mort. Bon, on a déjà compris que le garde c'était les gardes, c'était pas les policiers en fait. Moi je pensais que ça allait être un policier, mais non, même pas. Donc pourquoi pas? On va juste devoir le refaire. À mon avis, on va être à côté. Ce qui va être une bonne chose aussi. Ah ouais, je vais refaire les deux. C'est une blague. Woot woot. Ah, ça, c'est pas cool par contre. Bon. Eh bien, évidemment, on doit se réemparer du premier. Eh ben c'est pas grave, on va prendre de la hauteur directement.
Et hop, double assassinat. Tiens. Alors. Tiens. C'est de la part de JFK. Bim. Salut. Nounou. Woot. T'es où toi? Ah ouais. T'es là comme ça toi. Toi t'arrives, tu crois que t'es chez toi mec. Attends. On va taper un peu parce que je vois que ça rentre pas dans ta tête. Tiens, au revoir. On va redescendre. Fils ça, mon dieu. Bon. Portée, portée, portée. Portée. Donc pour le moment on n'a pas de corps. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouch. Je vais devoir m'y faire avec cette cette corde. Ce grappin, voilà. Oh oh, j'ai un ennemi qui arrive. Non, ça va, il repart. Bon, eh ben on va attaquer sur le deuxième métallique maintenant. Voilà, bon, le premier est fait. On va éviter de crever comme une merde. C'est quoi ça? Il y a un dé. Non, je sais pas ce que c'est. Allez, coup de flingue. Tiens, ça va te calmer un petit peu. Hop, voilà. Bon, on en a encore un autre qui arrive. Oh, c'est pas des minces. Et... bing, on va fouiller ici. Voilà, pour s'emparer de la deuxième centaine. Voilà, fabrication. Donc vous pouvez fabriquer des équipements et des améliorations d'outils. Vous trouverez des ingrédients de la fabrication unique et des plans de fabrication dans les coffres cachés. Les activités lucratives, en particulier les vols, rapportent de grandes quantités d'ingrédients de fabrication. D'accord. Bon. D'accord, on peut améliorer. Ok. La pomme. Si je fais triangle pour acquérir des ingrédients, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok, bon. En gros, c'est du pay to win, quoi. Bon, on va améliorer les dégâts des couteaux de lancer. Et si je le puis encore, je ne peux pas. Évidemment, si tu étais trop beau. Fabriquer, ouais, bombe fumigène, on s'en fout. Bon, super. On gardera donc le reste, ce n'est pas grave. On va juste fouiller nos corps, ici. Ah, et on va pas oublier de fouiller tous ces corps, évidemment. Ce serait dommage. On va pas le... Bon, attendez parce qu'il y a un garde qui arrive par contre. Regardez. À l'ancienne. À la... Assassin's Creed 4. Allez viens. Viens mon coco. Viens faire un bisou à maman. Bon, allez. On va le laisser se tourner. Vas-y, dès le moment où tu te tournes, t'es mort. Ah ah. Ah, il va arriver, je crois. Au revoir. Na 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 na. Bon, ah ouais.
Évidemment, maintenant je les pille moi-même. On va regarder une fois ce que ça vaut ce coffre. Je sais pas ce que c'est. Ça m'indispose. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Si je regarde sur la carte, regardons sur la carte le signe. Ok, donc le coffre est là quelque part. Hein, il est en sous-sol, évidemment. Je cherche en hauteur, mais c'est pas la hauteur que je dois chercher. Ah, superbe. Je me retrouve dans les égouts. Bon. C'est pas grave, on fera avec. Ah ouais, évidemment. Ah, les coquinous. Les coquinous nous ont été de foutre ça dans les égouts. Bon, du cuir, des produits chimiques. Voilà. On va remonter. Et on va continuer donc notre aventure. C'était juste parce qu'il y avait un coffre et ça me stressait de ne pas savoir ce que c'était. Fabriquer l'amélioration. Super. En fait, je suis obligé de le faire. Magnifique. J'avais absolument pas envie de le faire. Bon, et ben voilà. J'ai pas eu le choix. Je trouvais que c'était vraiment pas utile, mais bon, c'est fait. Rejoindre l'atelier de Bell, Graham Bell. Bon. C'est quoi ça? D'accord, je peux y recruter. Et il est à 40 mètres, 30 mètres. Bon, ça va, l'atelier est relativement proche de notre endroit, donc. Et que me dit Bell maintenant? Allons voir. Justement à Jacob les premiers messages transmis par les lignes réparées. Oh, au fait, vous pouvez conserver ce lance-grappin. Nous en avons déniché un autre pour votre frère. J'espère en tout cas que vous allez toujours bien. Excellent travail. Merci, encore une fois. C'est Assassin's Creed Syndicate, donc ça se passe à Londres en 1868. Et on incarne des jumeaux, Evie et Jacob Fry. Ils sont là pour libérer Londres du joug des Templiers. Vous allez voir, ces deux petits personnages sont sympathiques. Ils sont assez, voilà, je vais pas dire empathiques, c'est pas ça, mais charismatiques, ouais. Je les trouve plus charismatiques qu'Arnaud. Et pourtant, je vous jure que j'ai adoré Arnaud, mais voilà.